Salut tout le monde, c'est Aliot les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit squad builder de 20k les gars. Donc on va commencer directement avec le gardien. Il s'agit d'un gardien brésilien. Il s'agit de Victor, tout simplement. Un gardien qui évolue en Liga do Brasil. Il a des stats très complètes, 80 partout à peu près. Donc ensuite on passe à la charnière les gars. La charnière, il y aura Dédé, un défenseur brésilien aussi qui joue en Liga do Brasil. Et puis à côté, un autre brésilien défenseur qui a de très bonnes stats aussi. Donc je rappelle que Dédé il était très bon, voilà. Sur ce FIFA 13, il me fait 1m92, il a 68 de vitesse, des stats en défense et en physique très complètes. Ensuite, comme je vous l'ai dit, l'autre défenseur brésilien, il s'agit de Breno. Breno, voilà, vous avez le choix entre Breno et l'autre, mais vous aurez un meilleur collectif avec Breno. Voilà, Breno, très bon aussi. Un peu moins physique et tout ça, mais il est aussi grand, 1m87 et il a des stats complètes. Ensuite, les gars, en défenseur droit, Fernandez, vraiment, qui a des très bonnes stats. Franchement, pour un défenseur droit, c'est exceptionnel. 82 vitesse, 82 défense et surtout 1m87, les gars. Donc en défense, ça passe jamais. A noter que j'ai testé cette équipe pendant un match les gars et que j'ai gagné 4-0, si je dis pas de bêtises, oui. Ensuite Wendell, défenseur gauche du Bayer Leverkusen, acheté 1500 crédits, voilà, qui est bon lui, il est très bon, 86 de vitesse et tout ça, il a tout ce qu'il faut. Ensuite un petit milieu brésilien, il s'agit non pas du 5 étoiles là, il s'agit de Williams. Qui est très bon aussi, acheté 350 crédits pour des stats très complètes les gars. 80 de physique, 72 de vitesse, 78 de défense, c'est parfait pour un milieu défensif. Le seul petit bémol c'est sa taille, mais bon c'est pas grave. Ensuite le Guiliano, le joueur 5 étoiles GC technique, le nouveau joueur 5 étoiles GC technique cette année. Il a des stats très bonnes, 82 de vitesse, 84 de dribble, 76 de tir, 75 de passe, vraiment très bon, j'ai testé les gars. Il a une agilité, un équilibre et une technique exceptionnelle. Ensuite l'autre milieu qui joue au CSKA Moscou et qui n'est pas du tout cher les gars, il s'agit de Eremenko. Les gars, je pense que vous avez vu les prix avec lesquels j'ai acheté le joueur, donc pas la peine que je le dise à chaque fois. Mais pour Eremenko, j'ai acheté à 850 crédits, vraiment très faible prix pour ses stats très bonnes pour un milieu offensif. 82 général en plus, 4 étoiles de gestion, 4 étoiles de mauvais pied. On passe à l'attaquant droit. Voilà, c'est un milieu droit, mais je n'ai pas encore mis le changement de poste. Il s'agit de Tosic. Tosic, très bon aussi, qui a les mêmes stats que l'année dernière à peu près, avec ses 4 étoiles de gestes techniques, sa vitesse très bonne pour un attaquant droit est parfaite pour son poste. Voilà, Tosic a acheté 1000 crédits, ce qui est du tout pas cher au niveau du prix par rapport à ses stats. Ensuite on passe à l'attaquant gauche les gars, il s'agit de, désolé le buteur je voulais dire, il s'agit de Harry, je vous invite à aller voir l'affaire du jour sur Fut 15 d'Harry faite par RonyHD. Pour ce qui est de son prix, c'est 650 crédits, 82 vitesse, 76 de dribble, 79 de physique et des tirs, une stat en tir très bonne pour un buteur. Ensuite le milieu gauche, j'ai pas acheté en attaquant gauche, il s'agit de Joazinho. Allez, on va lui mettre le changement de poste tout de suite. Voilà, c'est comment ça, c'est nouveau, oui c'est exactement ça, milieu gauche, attaquant gauche, donc voilà c'est fait. Donc les gars, voilà pour ce Joazinho, il a acheté à 1400 crédits, il a des stats exceptionnels, 92 de vitesse, 77 de tir, 78 de passe, 82 de technique, 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. Vraiment une équipe très compétitive les gars, je vous invite à faire cette équipe vu qu'elle est pas chère. Donc j'ai écrit 25k pour le nombre d'équipes, écoute tu tout passes 25k. Écoute, au maximum 10 000 crédits les gars, franchement, sans vous mentir, 10 000 crédits c'est un prix, allez 12 000 crédits, 13 000 crédits, on va dire ça comme ça. Donc les gars, c'était AliotHD, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, prenez soin de vous, bye tout le monde.